Nous voilà donc repartis pour la 17e édition, Les éoliennes tournent pour. Euh, cette année, les éoliennes tourneront pour le, les enfants du RPI de la Cornéa, des écoles de, de Bourriège, Fest et Brujol. Puisque maintenant, Roquetayade et Cognac ne font plus qu'un, nous sommes une commune nouvelle, les enfants de Cognac aussi pourront... Euh, par, Prendre en compte tout ce qui va être fait pour le RPI. Voilà, communauté, la nouvelle commune de Roquetayade euh, et Cognac a été euh, effective au 1er janvier 2019. Monsieur Canet, qui est le maire délégué de la commune de Cognac, et votre serviteur, votre serviteur, le maire de la commune de Roquetayade et Cognac. Voilà donc euh, nous sommes très heureux maintenant aussi que les éoliennes de Roquetayade et Cognac tourneront pour. Ce sera une nouvelle nomination. Samedi 27 avril, c'est la 17e édition des éoliennes Tourne-Pour. Cette manifestation organisée par le club Pacoulis de course à pied, la municipalité de Roquetaillade et Cognac, les municipalités de, de Conanel, de Pius, d'Antugnac et de la Digne d'Aval et de Villebasi, euh, contribuent avec les dons donnés par les manifestants à aider une personne dans le besoin. Cette année, ce n'est pas une personne, mais c'est un ensemble de personnes, puisque les dons recueillis serviront pour le regroupement pédagogique intercommunal de la Cornélia, et les dons permettront d'acheter du matériel informatique aux écoles. L'année dernière, les dons recueillis avaient servi a financé une prothèse auditive à Luna et je peux remercier l'ensemble des participants puisque nous avons pu combler la presque totalité du coût de l'intervention chirurgicale qui a été un grand succès et la petite Luna peut maintenant être comme ses petites camarades bien entendre et avoir une reconstitution de son oreille. La manifestation euh, pour les coureurs, les marcheurs, les vététistes, s'il y en a, allure euh, libre, il n'y a pas de classement. Une participation de 5 euros est demandée à tous les participants et une collation est offerte à la fin de la manifestation. Pour ce samedi 27, nous attendons autant de monde puisque les petits-enfants le, du RPI de la Corneilla souhaitent avoir un matériel. Informatique important et donc plus les dons sont importants, plus le matériel acheté sera en nombre. Merci beaucoup d'avance.